c'est à Polarix. Voici Polarix présenté par Denis Bourrez himself, qui est à la tête du cheval du haras de Saint-Roch, qui est installé dans l'Eure, dans le département de l'Eure. Polarix est un fils de Linamix. C'est d'ailleurs le dernier fils de Linamix qui est entré étalon tout simplement. C'était l'an dernier, si je ne m'abuse. Polarix est né en 2006 avec une mère par Bering. La mère, c'est Freezing. Freezing, c'est une souche verte et mère qui a très bien produit. Multiple placé de Liston à l'âge de 3 ans et 4 ans. C'est un frère de plusieurs black types, ce Polarix. Il avait débuté sa carrière sous la casaque de ses éleveurs, les frères Vertemer. Il avait été acheté à réclamer à l'âge de 2 ans, ce Polarix. Et par contre, après, il avait donc couru à l'âge de 2 ans, à l'âge de 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 9 ans encore que ce Polarix. Une très riche carrière de course. Donc, il est gagnant à de multiples reprises, Polarix, jusqu'à l'âge de 9 ans. Et il avait battu à 3 ans un certain Cyrus des Aigles, l'un des meilleurs chevaux de l'histoire en France là, ces dernières années. Polarix donc avait battu le champion Cyrus des Aigles à l'âge de 3 ans dans une course B à Longchamp, s'il vous plaît, pour ce miler. C'était plutôt un spécialiste du mile, ce Polarix. Un fils de Linamix, disponible à 1 000 euros poulain vivant au haras de Saint-Roch en 2017.